Bonjour, je suis Alix Combes, le directeur du château La Tour Carnet, quatrième grand cru classé, et je vais vous présenter notre millésime 2021. Après avoir été la propriété de l'écuyer Carnet, puis de la famille de Montaigne, le château appartient aujourd'hui à Bernard Magret depuis l'an 2000. Il en a fait le plus vaste cru classé du Médoc. C'est également au château La Tour Carnet qu'a été implanté le centre d'études de l'impact du réchauffement climatique sur les vignobles du groupe Bernard Magret. Le millésime 2021 n'a pas réuni les meilleures conditions en notre faveur. Humide et froide, ces conditions nous ont obligés à une lutte incessante, d'abord contre le gel, puis contre les maladies. C'est aussi à cause de ces conditions que nous avons décidé d'affiner au maximum notre sélection parcellaire afin d'avoir une qualité optimale de notre vendange. Cela a engendré des vendanges plus lentes, mais plus précises. Les merlots ont été ramassés entre le 28 septembre et le 8 octobre, les cabernets du 4 au 14 octobre. Le château La Tour Carnet 2021 est composé à 54% de Merlot et à 46% de Cabernet Sauvignon. Vous y trouverez un très joli bouquet de fruits et surtout une élégance et une finesse en bouche. Ce millésime 2021, dont je vous souhaite une bonne dégustation, nous rappelle que malgré tout son labeur acharné, un vigneron n'est rien sans la nature.